traversé en chute libre les anneaux au-dessus de Lazy Lagoon avec la traînée de condensation bariolée. Donc c'est cette traînée là qu'on débloque je pense à un moment donné dans le season pass, je sais pas trop où, mais je pense que c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Donc palier 26, on le débloque. Et donc direction Lazy Lagoon. Après, je pense qu'il y aura énormément de monde qui vont le faire. Donc à voir déjà où le bus y pop. Et à voir comment ils ont fait leur truc après pour récupérer cette puce. Est-ce qu'elle est débloquée à partir du moment où on a fait toutes les traînées puis qu'on est arrivé à terre? Ou est-ce qu'elle est tout simplement débloquée dès qu'on a fait les anneaux, ça la prend automatiquement dans l'inventaire, je sais pas du tout comment ça va se passer. Donc on va aller checker tout ça ensemble. Je sais pas s'il a le chargement là depuis 2 jours, mais c'est très long. Alors, Lazy Lagoon. Donc, Lazy Lagoon, c'est tout simplement ici. Pour ceux qui ne le savaient pas, je pense que tout le monde est au courant maintenant. Et les anneaux, on en avait vu quelques-uns en rouge, mais je ne sais pas du tout si ça correspond à ça. C'était autre chose, donc il va falloir planer bien assez haut. Et surtout rester en vie, vu qu'il y en a énormément qui vont le faire. Ah d'accord, je le vois, le premier anneau. C'est donc pas les anneaux rouges, mais les anneaux roses, bleus, un peu arc-en-ciel. Pour la suite. Donc je vois un anneau ici, j'en vois un autre là-bas, j'en ai vu 3-4 pour l'instant. On va éviter de rater le premier. D'accord, donc elle est tout simplement ici en l'air ensuite. Et voilà, la puce 70 est donc récupérée comme ça en l'air. Là, je vous promets pas de faire un truc de ouf dans cette game, vu que... Waouh, il y en a au moins 10 de trucs là. Donc on va faire avec ce qu'on a. Oh putain. Une arme de garance. Ouais, ça lag en plus, c'est affreux. Voilà, donc la puce, rien de très compliqué pour vraiment bien faire gaffe, pas aller trop vite. Ça va me donner un fond, on peut pas faire avec ça. Bon, il y a encore un coffre en bas. On va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, ma foi. Au moins, il y a une derrière. Bon, bah, let's go, hein. Et on survivra avec ça. Sachant que c'est vraiment pas mon délire. Une des armes que j'ai sur moi, l'air, ça passe encore. Alors la garance et puis le nouveau pistolet mitrailleur, c'est pas mon kiff. Je vais me prendre une balle de snipe bien dans la gueule. Très 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 mal. D'accord, il y a un mec en boule. Il est en train d'arriver droit sur moi.
Ouais, mais bien sûr, d'où il me laser comme ça, lui? Putain, hallucinant, ça. Ok, il me rush. J'ai pas de pompe, quoi. Et voilà, il avait un pompe, j'avais pas de pompe. Bon bah voilà, c'était du rapide au moins. En tout cas, la puce est quand même assez simple à avoir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à checker les autres vidéos qui ont été ajoutées il y a quelques jours, parce qu'il y a quelques concours qui sont en cours. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, à plus!